if the hypothermia wouldn't kill me. Bonjour et bienvenue. On a de l'eau, on a de l'eau. Reste calme. Reste calme. C'est bon. C'est pas la peine de... Hein? Ça va, ça va. Genre au bout de 3 milliards de jours, genre 3 milliards d'années, elle sera toujours là. Oh, je mangerai la neige, hein, si je pouvais. Oh, je mangerai un cheval. Oh, je mangerai n'importe quoi. Ça va, c'est bon. Hein? Oh mon dieu. Bienvenue, bienvenue tout le monde. Bienvenue. Bienvenue dans notre survie du week-end. Donc. Il y a des tiroirs ici, je savais même pas. Ok, bon bah y'a rien dedans. y'a rien dedans, ok. Bienvenue. Alors qu'est-ce qu'on va faire pendant cet épisode? Je crois que pendant les prochains épisodes qui arrivent... attends, il fait nuit? Ah non, il commence à faire jour, ok. Ce qu'on va faire, ça va être ce bidon-là qui est en plein milieu comme ça, ça va me rendre fou par contre. Ça va vraiment me rendre fou. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement déménager. Je crois. On va déménager les choses, genre... vous savez, pour créer des balles et tout ça, on va les mettre à côté de l'établi pour créer les balles, du coup. Vous voyez, ça a du sens et tout. Donc on va faire ça. Aussi, je voulais parler de ici, donc. Donc, je suis allé me renseigner. Parce que y en a dans les commentaires qui m'ont pas vraiment bien tout expliqué. En me disant, oui, il faut passer par la fenêtre, tout ça. Oui. Dans le mode histoire, mesdames, messieurs. Dans le mode histoire. Donc nous, en gros, c'est comme ça que ça se passe. Dans le mode histoire, en fait, ça c'est fermé. Ça c'est fermé aussi. Cette porte-là est fermée, en fait. Et il faut passer par la fenêtre là, que je, en plein milieu. Celle-là. Hein. Voilà. Et comment il s'appelle, Mackenzie? Mackenzie, en fait, va donc passer par la fenêtre. Oh mon dieu! C'est normal que ça soit comme ça, noir? Waouh, vous avez oublié de faire l'éclairage ici. Hein. Ça fait des années que je le dis, The Long Dark. Enfin, Interland, c'est les développeurs. Ça fait des années que je dis qu'il faut un peu retravailler votre éclairage d'intérieur. Légèrement retravailler votre éclairage d'intérieur. Juste un peu. Enfin bref. Parce que quand il y a de la lumière dehors comme ça, à l'intérieur, ça peut pas être noir comme ça. C'est pas possible, surtout avec des fenêtres. Bref. Donc imaginez que ce soit un peu plus clair déjà, et alors vous voyez cette fenêtre, elle est en fait à moitié fermée et tout ça, et Mackenzie en fait passe par là pour rentrer dans l'infirmerie. Mais on voit vraiment strictement rien, c'est horrible. Désolé, mais je vais pas allumer une lampe pour ça, hein, on va attendre. Et du coup il se retrouve ici, et voilà, c'est comme ça qu'il peut la fouiller. Attendez, on peut repartir, ouais on va repartir. Oh mon dieu, je suis perdu. Ok, on est bon. Porte. Ah! Eh ben putain. Regardez-moi ça! Ah, Interland, oh là là. Va falloir travailler ça. Hein. Regardez-moi ça. Hein? Non, hein. Non, ça se fait pas, ça. Ça se fait pas, ça. Enfin bref. Donc, ouais. Donc, au final, bah, on peut pas aller là. Cette porte s'ouvrira jamais. Cette porte ne s'ouvrira jamais. Bon, on a bien rien foutu, donc on va peut-être bouger un peu. On va regarder s'il n'y a pas des plumes qui traînent vite fait. Qu'est-ce qu'on a là encore? On a encore de la peau. On a que de la peau. Ok, ici. Okay. On avait tué un autre loup, je crois, pas loin. Je m'en rappelle plus. Je m'en souviens plus. On va voir s'il n'y en a pas d'autres qui traînent. Ça nous fera de la nourriture d'avance. Donc ouais. Donc ouais, donc l'infirmerie on peut oublier. Donc je crois bien qu'on a bien fait le tour de la prison. Je crois vraiment qu'on l'a fait à 100%. On a fait le sous-sol, on a fait les autres bâtiments là-bas. On est monté, on est descendu, on a récupéré le gilet pare-balles. Enfin voilà quoi, on a vraiment... ouais, je pense qu'on a tout fait. Niveau prison. Niveau prison, je pense qu'on est bon. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, ça serait les alentours, par exemple, d'où on vient. Vous rappelez la porte principale qu'on avait prise avec le petit poste juste avant.
Et on a trouvé, bah, la dernière fois, là, le dernier épisode, on a trouvé des champignons, des baies, et la photo aussi, on a fait la photo. Alors à cet endroit, on n'a pas trop fouillé, à la limite, de ce côté-là, parce que si vous vous rappelez au tout début hein, de cette nouvelle aventure, de cette nouvelle saison, on a plus ou moins tracé, parce que bon, on avait quelques loups gris aux trousses, pendant une tempête, en plus. Donc on a tracé. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas trop regardé. Donc c'était ce côté de la prison. Là-bas, de l'autre côté en fait. Donc du coup, on peut faire ça. On peut se balader un peu et faire ça. Oh mon dieu, même ici, c'est horrible. Donc ça. Je vois strictement rien. Vivement qu'il fasse un peu plus jour là, parce que on a une sorte de... Comment dire ? Parce que vous savez, en fait, ils utilisent... On va parler un peu de technique du jeu, mais... Ils utilisent des sortes de filtres, en fait. Des filtres Instagram, lol. Des filtres pour rajouter de la netteté, clarté, contraste et tout ça. Et là, c'est légèrement abusé, en fait. Là, c'est légèrement abusé. On pourrait faire de la poudre à canon. Ça prend combien de temps ? 30 minutes pour faire de la poudre à canon ? On peut voir un peu. On a 30 minutes à tuer ? Ouais. Je me rappelle même plus si on a... Ah attends, on pourrait faire ça en fait. Attends, ça oui, ça c'est pour faire de la poudre à canon. Et ça c'est pour faire péter, faire des bombes. Ah, on pourrait faire ça. Par contre, je vais voir si on en a d'autres, des conserves. Parce qu'on en a deux sur nous. Il faut toujours en garder deux, hein, c'est pour faire de l'eau et tout. Hein. Je sais qu'on a un fait tout aussi. Ouais, on a un là. On a de la viande sur nous. Quoi. On a ça. Oh là là, dehors on a les corbeaux qui arrêtent pas de piailler. À l'intérieur on voit strictement rien. C'est vraiment super. C'est vraiment super. Oui, je sais. J'essaye de ranger les choses, ma très chère. J'essaye de ranger les choses. Ici, on peut faire les... comment ça s'appelle ? Les... flèches. Donc, on va laisser les trucs de flèches là. Le gilet pare-balles, on va le rentrer là-bas. Attends, on doit être à, genre à 60 kilos, je crois. Ça aussi, ces caisses-là, elles sont embêtantes sur le... Ça, on va le mettre là. Mon dieu, c'est vraiment pas agréable, hein. Cette luminosité-là. J'avoue que même moi, ça m'embête. On fait voir. Est-ce que ça augmente un skill ou pas ? On va voir, ça augmente quelque chose ou pas ? Non, ça augmente rien du tout. Vous voyez, maintenant, voilà. Ça a modifié, donc ça va. Maintenant, on voit, c'est clair comme le jour, lol. C'est un peu abusé. Honnêtement, ils devraient retravailler ça. Si jamais, parce qu'ils ont parlé du... Je voudrais bien pouvoir le mettre debout, le gilet pare-balles. Debout contre un mur. Si jamais ils font vraiment ce qu'ils ont dit, puisqu'ils avaient parlé de refaire... non, de mettre à jour les graphismes, je crois, pour nouvelle génération de consoles et tout ça. Si vraiment ils font ça... Elles sont où les autres bombes qu'on avait laissées? Je m'en rappelle plus. Si jamais ils font ça... J'espère vraiment qu'ils vont retravailler. Putain, on peut pas les mettre debout en plus. Oh là là. Faudrait un mode pour pouvoir les... Bref. J'espère vraiment qu'ils vont travailler ça. C'est vraiment tout ce que je veux, moi. Ça, c'est vraiment retravailler le...
La luminosité, ça serait vraiment bien. Oh là là. Comment ça serait bien. Donc on a encore deux conserves, mais on va pas utiliser les conserves. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est ça. C'est 30 minutes aussi. Alors, je vais voir si on fait de la poudre à canon. Est-ce que ça augmente les balles ou pas? Je me rappelle plus. Genre fabrication de munitions. Oui, ça marche. Donc ça, on peut le faire juste pour passer le temps. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Toc, toc, toc. Ah tiens, il y en a une à 40. Et une à 50. Enfin, 0,50. Ah putain. Je peux pas les mettre côte à côte, quoi. C'est galère. Aïe, aïe, aïe. On a le métal. C'est combien les... C'est 10 kilos. Sans vous les... Là. Très bien. Toujours... Ah oui, les... Ça, là. Ça pèse très lourd. Ça pèse très lourd, les souches. Il n'y a même pas d'endroit en fait pour poser les objets. Ah oui, là, ouais. Donc ouais, comme j'ai dit, cet épisode risque de pas être trop aventureux. Hein. Ça va être vraiment ce qu'on en a. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait ça, parce qu'on fait toujours de l'exploration. Là, j'avoue que là, on va être un peu plus calme et ça va être genre refaire notre stock de nourriture. Refaire notre stock de nourriture. Ah, très bien. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? C'est de la poudre de soufre et des souches. Voilà, donc les deux là, c'est très bien. Après les bombes, ça c'est pour ça, c'est bien. Après pour faire... On a zéro morceau de plomb. Ça aussi, c'est un truc que... C'est une chose. On n'a pas de plomb. Après, on n'a pas vu trop de voitures, mais le peu qu'on a vu, il n'y a jamais eu de batterie à l'intérieur. Il n'y a vraiment jamais eu de batterie. Ça, c'est un peu con. Bon, ça c'est bien, ça c'est bien. Il y a une chose que j'ai possiblement envie de faire. Potentiellement. Ah, j'entends du bruit derrière moi. On a un loup qui se balade. Ouais, une chose que j'ai potentiellement envie de faire serait de prendre un mode. C'est le mode pour placer les objets, honnêtement. Mais après, j'ai peur que, comme d'habitude, hein, vous savez que si on mode la sauvegarde, du coup, la sauvegarde va rester avec le mode. Après, normalement, ça dépend des modes. Ça devrait pas trop foutre le bordel. Si le mode est pas trop... on va dire envahissant. Par rapport au gameplay. Mais Oh, c'est un lapin que j'entends. Mais il est où? Il est pas derrière le mur, devant moi, non? Genre là. Ça, on laisse ça là. C'est bien.
Ah, mais du coup, on peut pas passer, nous. Faire tout le tour. Bon, voilà, c'est bien. Après, on va faire un petit tour. On va essayer de voir si on peut pas récupérer quelques bestioles. Mais ouais, honnêtement, c'est vraiment peut-être un mode qui commence un peu à me manquer. Surtout quand je vois des trucs comme... Genre, on pourrait les empiler, par exemple. Ça serait cool. Genre, là, on pourrait aussi les rapprocher. Oh mon Dieu. Ah, mais aujourd'hui, tu veux me faire chier, toi. Genre rapprocher les objets aussi, parce qu'on peut même les faire les coller en fait, ou même les faire passer les uns dans les autres, et ça serait vraiment bien. Pour ceux qui ont vu, genre c'était la dernière saison, je crois. Là, on peut pas faire les... On peut crafter ici les... L'établi à munitions. Est-ce que l'établi à munitions peut tout faire? Je suis en train de me demander. Je vais voir si on peut faire une flèche. Ça passe directement en fait sur le fait que ça soit une forge, mais du coup il y a aussi l'option pour le reste. J'ai envie de me dire peut-être que oui en fait. Et normalement j'ai ouais, j'ai les fûts. Yes. Donc ouais, ça me manque un peu là. On passe comme ça. Jeune boulot, c'est... Non, ça flèche simple. Ouais, établi. Non, d'accord, ok, ça marche. J'avais peur que ça marche aussi comme établi. En fait, il devrait complètement enlever les options. Genre quand c'est pas un établi, en fait. Je trouve que ça aurait plus de sens. Ok, on est à combien de... C'est pas ça. 43. Je vais me vider les poches et après on continue. Enfin, on va un peu se balader avant qu'il fasse complètement nuit. Je voudrais un peu bouger quand même. Il y a ça aussi, il faut que je pose. Faire ça. Très bien. Ça, on en a pas besoin aussi. Je vais regarder pour le mode. Je vais regarder un peu. Et peut-être que j'essaierai de le mettre pour le prochain épisode. Si jamais je le mets pour le prochain épisode, je jouerai genre hors épisode. Et je ferai en sorte que les choses soient plus jolies. Mais bon, après j'ai... J'ai aussi peur que ça merde les objets en fait qui sont par terre, genre dans les autres zones. Ça j'ai un peu peur par contre. Ça, c'est possible ça. Je sais pas. Alors, on devrait rester sans mode quand même. Hein. Ça serait le... Mais attends, j'en ai encore. Oh, je l'ai pas vu. Ce serait quand même le plus safe, j'ai envie de dire. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous jouez avec des mods encore. Ceux que j'avais montré là. Ouais. Faudrait des armoires à côté, parce que j'aime pas trop mettre les objets là-dedans. Aïe 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 aïe. Bon, attends, on va en garder 5. Très bien. Ça, on va se mettre en... Genre en tenue de voyage, vous savez, on va mettre le moins on va garder le moins possible d'objets, mais si jamais on est bloqué par une tempête, par exemple, qu'on puisse quand même survivre. Vous voyez ce que je veux dire? J'entends, ça marche. J'entends. Thank you.
On a aussi là-bas, de l'autre endroit en fait, où il y a des objets, on va aller voir. Ça aussi, ça serait bien de mettre tout le bois là-dedans, mais bon, c'est super loin en fait de, des endroits où on peut faire du feu. Donc c'est un peu embêtant. Encore une fois, ce qu'il nous faudrait, c'est construire des... Ça, je l'ai dit hein, depuis des années, encore une fois. C'est pouvoir construire des... Ah, merde. Je vais pas trouver le mot. Ah oui, on a là aussi. Ok, pas mal, on va le garder. Oh. Ah merde, il y avait de l'eau dedans. Ah! Ou un propre. Fait chier. Non, pas grave. Oi, 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 oi. Pff, tout ce qu'il y a. Oh là là, je vais pas faire un aller-retour pour tout ça. On va laisser ça là. Ça vous fera deux camps. Oh, c'est pas grave, j'ai pas envie de me retaper aller-retour 50 fois là. Ouais, non, c'est relou. Ouais, oh là, que c'est relou. C'est con, hein, parce qu'en fait, faudrait tout mettre au même endroit, mais bon, ça me saoule. Et je le ferai si vraiment j'ai le temps. Qu'est-ce que je disais quoi, moi? Genre un mode, donc pour les objets, qu'est-ce qu'il faudrait? Ah oui, il faudrait pouvoir construire des... de l'IKEA, des choses, des meubles, voilà, des meubles, des tables, des chaises, des trucs comme ça, ce serait vraiment cool. Par contre, on est... On a froid. On a froid. Est-ce qu'on veut passer le temps? Pas vraiment. Qu'est-ce qu'on fait? On va construire une bombe? Si on perd un peu de vie, c'est pas grave. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ce serait vraiment bien ça aussi. Genre bien sûr il faut du bois et tout, hein, mais... Mais qu'on puisse... Oh putain, le vent il est juste sur notre gueule. Qu'on puisse faire des meubles et tout, ce serait cool. Ouais, là-bas il y a des massettes et tout. J'en ai vu. Ouais, on va descendre. On a froid, on va se taper des... On va se prendre des dégâts, mais c'est pas grave, on récupérera ça quand on... ouais, peut-être pas par là. Quand on dormira. Si jamais on voit des loups gris... Enfin, honnêtement, là, je vois rien qui bouge, donc on devrait être tranquille. Parce que j'ai envie de me dire... J'ai envie, dans un sens, d'aller chasser du loup gris... C'est-à-dire les faire venir jusqu'à la, la prison, genre du coup ici, et tous les massacrer. Genre les uns après les autres, comme ça on peut tous les manger. Là ça nous ferait beaucoup de viande d'avance. Ça serait pas mal, j'ai envie de faire ça à un moment. Peut-être pas maintenant, mais peut-être un peu plus tard. Genre peut-être prochain épisode on fait ça. Pour avoir une meilleure réserve de nourriture. Et puis après, comme j'ai dit, on refera peut-être vite fait un peu le tour de la carte. Explorer un peu les endroits genre où on est passé à côté. Parce qu'on avait des missions avant. On va dire qu'à chaque fois, on voulait trouver genre la mine et tout. Donc on faisait des lignes droites. Mais là, peut-être qu'on peut un peu plus se balader sur les côtés et tout. Et trouver des petits endroits. Ah, le bâtiment qu'on a ouvert là avec la forge, peut-être que on peut mettre les comment ça s'appelle, les pots et tout pour les faire sécher au lieu de les mettre dans le sous-sol. Ça serait peut-être mieux. Ah, ça faudra qu'on regarde. Ah, on pourrait se mettre là. Attends, on peut voir. Ah ouais, on pourrait et on se fait les loups. Une possibilité. Oh, là-bas. Oh, je vois du bois.
Je vois du bois. Ah, ce vent, il aide en rien, quoi. C'est horrible. On va rentrer dans pas longtemps. Parce que là, on commence à perdre un peu trop de vie. Enfin, quoique, honnêtement, on dort 10 heures, on récupère. Pas de problème. Donc, du coup, ça mène où, ça? Où est-ce qu'on est? Ah, ok. Ah, il y a une corde? Ou pas? Il y a une corde. On va voir où ça mène. Je compte faire ça, mais bon. Là? Je regardais la distance. Ok, bon, allez, on va rentrer parce que là on commence à avoir vraiment froid d'arrivée. Intéressant, donc on peut partir de ce côté en fait sans passer par le sous-sol. C'est intéressant. Peut-être pousser un peu le un peu trop loin, on prend beaucoup de dégâts. Sinon c'est pas grave. On va voir après ce que j'ai dit par rapport au pot et tout ça, si on peut pas les faire sécher à l'intérieur du bâtiment, de la forge, au lieu de les avoir mis autre part. J'ai un peu peur de m'approcher de là, parce que je sais pas si les loups gris en fait montent aussi haut. Mais il y a aussi cet endroit qu'il faudra aller vérifier, genre la route en fait, le bas de la route. Il faudrait qu'on y retourne un jour. Maintenant ce mur et c'est bon. Voilà. Pouf. Ok, bordel. Eh ben, c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné tout ça. Donc ça va, on a trouvé 15 massettes en tout. C'est très bien. 15 massettes, un bois. Un bois séché, c'est très bien. Très très bien. Bon, ben, ça va être tranquille, hein. Ce qui est embêtant, c'est qu'il fait très froid. Alors, faut voir un peu. Normalement, ça devrait marcher. Ça marche. Genre, on pourrait enlever tout ça. On pourrait même enlever les tonneaux, je crois.
Ah, comme j'ai dit, hein. Quand on arrive, genre... Genre, quand on commence à plus avoir... de but, vraiment, de mission à faire, d'exploration à faire dans The Long Dark, après on tourne un peu en rond. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois j'essaye de faire des épisodes intéressants, mais là j'avoue que... Là on va devoir un peu refaire... genre notre réserve de, nourriture... Ah oui, c'est vrai que ça passe à travers... Oh merde... Attends, il y a que les boyaux qui font ça? Il y a que les boyaux qui font ça. Je sais pas pourquoi. Je vais voir les pots. Non, les pots ça va. Pas si un peu, si si. C'est juste les boyaux qui sont très bas. Ah ouais, c'est con ça parce que... C'est moche quoi. Après je peux voilà ranger les choses comme ça, mais comme j'ai dit on peut pas vraiment les coller les objets. Du coup ça prend énormément de place de les. Vous voyez, si je pouvais le mettre comme ça là, ça irait. Mais là. Les boyaux pareil, faudrait que je puisse les entasser en fait. Bon, c'est pas grave, on va laisser ça comme ça. Ouh, ça m'énerve. Désolé, mais ça va m'exaspérer tout ça. Bon, nous il faut qu'on aille récupérer des pots aussi. Peau de lapin, peau d'ours et tout. Ça, on les avait... je sais qu'on a une peau d'ours qui traîne. Je crois qu'elle est... Je crois qu'elle est là. Ah, du coup, est-ce qu'on pourrait pas prendre la corde directement? Elle est là. Ça nous ferait peut-être moins loin. Ouais, mais du coup, il n'y a pas de corde de ce côté-là, si. Parce que là, là c'est de l'eau, là. C'est pas de la glace. Ou alors, est-ce que la corde, c'est pour juste descendre... dans ce périmètre là, mais pas sur l'eau. Enfin non, il n'y a pas d'endroit, je veux dire. Faudrait voir. Là on a 0,40, 0,50. Mais on peut faire quand même. Ouais, il faut 10 à chaque. Ah, il faut que 10. Ah, ok. Ok. Pourquoi j'en ai que deux dans l'inventaire, des boîtes? J'en ai pas trois. Pardon. Ah oui, j'avais oublié ce détail. C'est que 10, c'est pas 0,10. Ça va. Qu'est-ce qu'on fait? On dort? Et on va après se balader pendant la nuit? J'aime pas notre camp. J'ai envie de dire que je pense que c'est mon camp le... Non, c'est vraiment le celui-là que j'aime le moins. Parce que on a trois endroits. On a cet endroit ici. Parce qu'on peut faire du feu avec l'établi. Il y a ici pour faire tout ce qui est genre les trucs avancés, poudre à canon, machin. Et après on a là-bas parce que c'est en fait c'est la sortie là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça m'embête un peu en fait. On est vraiment coupé de tous les côtés. C'est très très chiant je trouve. Je suis pas très fan de ça. On va dormir quelques heures. Vers 5 heures. Et on va peut-être chasser de nuit, on va voir. Est-ce qu'on a un lit? Est-ce qu'on a un lit quelque part? Je suis en train de me demander.
Je pense pas. Le sac, on peut le laisser là. Voir un peu la visibilité. La visibilité un peu pourrie. On va dormir encore un peu plus. On va attendre qu'elle soit pleine en fait. Qu'elle soit full. Ah, et on va voir. On va essayer de chasser un peu de nuit. Voir si on peut faire quelque chose de nuit en fait. Okay. Ah là c'est un peu mieux. C'est un peu mieux déjà. Et il fait pas trop froid. Ok. Parfait. Il y a aussi le gilet pare-balles. Là, je préférerais prendre le gilet pare-balles parce que ça augmente notre protection. Enfin, on a déjà du bon matos. Comme on en avait déjà parlé, ça. On a du très très bon matos. Donc, c'est pas très grave d'utiliser les vêtements au lieu du gilet pare-balles. Mais si on va combattre des loups gris, oui, ce serait plus logique d'avoir le gilet pare-balles. Mais bon, c'est grave trop lourd. C'est grave trop lourd. Là, on va descendre la route. On va voir si on peut se mettre... je sais pas où vraiment, parce que si jamais on descend la route, qu'on se fait attaquer direct, ça va être chaud. Y a pas vraiment d'endroit pour se percher. J'ai envie de dire, quoique peut-être je peux passer là. Ah, peut-être, peut-être, on va voir. On va voir ça. Là, il nous faut tout et n'importe quoi. C'est pour de la nourriture et des pots. Donc, tout est bon à prendre. Genre, lapin, ça passe. Les loups, ça serait pour plein de nourriture. Ours, c'est pour les deux. Élan, c'est pour les deux. Hey. Cool. Enfin, cool, oui, mais c'est con parce que c'est super lourd, ça. C'est 0,75. Ah ah! Arboréal. Ce serait con que ça électrocute. Enfin non, c'est pour tenir le mât, c'est pas pour... c'est pas électrique. Alors, on peut voir un peu. Je sais pas vraiment où aller en fait, je viens de me rendre compte. Je peux pas passer. Ah si. Vous voyez des trucs qui bougent? Moi non. Genre là, on a un arbre. On va voir si je peux me percher dessus. Ça nous fera un endroit pour combattre. C'est pas mal, c'est pas mal. Oui, 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 chut, chut, chut. Encore une corde ici aussi. Je la connais cette corde ou pas?
Ouh. Pas le top là. Passer par là. Quoique non, en fait, on va peut-être pas passer par là. Ça retombe. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Je suis en train de me balader et honnêtement, on n'avance à rien. Là, là j'aime pas en fait faire ça. Non, ça m'étonnerait. Hein. Aïe, 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 aïe. Ah bah vive l'excursion de nuit, hein, super. Trop fun. Allô, les animaux? S'il fait froid. Moins 5. Plus 3. Et j'ai pas le sac de couchage là. La blague. Ah oui, ça. Je n'ai point de sac de couchage. On est ultra loin, c'est débile ce que je suis en train de faire. On n'est pas fouillé cette voiture. Parce que je me dis une voiture avec le capot pas ouvert, ça c'est pas nous, ça c'est pas notre genre.
Bonjour, je voudrais un peu d'action. Bon, on va aller se reposer dans notre camp là-bas. Je crois que on a potentiellement des choses à récupérer là-bas. Je suis plus trop sûr. Très bien. Vieux poste de contrôle. Est-ce qu'on a un truc à lire? Même pas. On a rien. On a rien. C'est genre... genre le fun, bah on l'a retiré du jeu. C'est bien. Oh, yes, ça c'est bien ça. Genre on a retiré tout ce qui pouvait être fun dans le jeu. C'est cool. Du coup, j'ai pas de nourriture sur moi. Après, j'ai 10 massettes, quoi. C'est tout. Bon, ouais. Là, on se fait un peu chier, quand même. Si on n'est pas très fatigué, on peut pas trop sprinter aussi. Ça, c'est embêtant. Du coup, on peut pas vraiment trop se fatiguer. Ça, c'est un problème, en fait. Sur le fait de pas avoir un sprint long. Et on veut se fatiguer, genre on peut pas sprinter. C'est con. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bête cette histoire. Ah! Go go! Action! Vas-y, vas-y, ramenez-vous, ramenez-vous! Let's go, let's battle! Duel! Let's go! Yeah, 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 on se ramène les fesses! Yes! Je sais plus ce qu'ils peuvent faire. Ah oui, ils vont faire tout le tour comme des cons, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors on a combien de flèches? Non, il faut que je fasse ça, ça. On a 12 flèches en tout. Ok, faut se rappeler de ça. Alors là, les flèches, elles passent pas à travers, c'est vrai. Lui, on va se le faire, lui. S'il y en a qui viennent là, on va se les faire. Ta gueule, toi, là, derrière. Ah, on est protégé du froid, là. Ça agit comme un mur. C'est pour ça que les flèches, elles passent pas à travers. Marrant, ça. Ah, bouge pas, t'étais bien. Un peu chier quand même. Onze. Ah, fait chier, il va où lui? Oh là là. Elle était belle en plus cette flèche. Ah, deux flèches manquantes. Honnêtement, je crois qu'on est bon. Je crois qu'on a juste besoin d'attendre qu'ils meurent, les deux. Et on devrait être nickel, je crois. Je crois que ça va tuer la meute direct. On va voir.
Ouh, je vois rien. Ok, on va se baisser. Moi, j'aurais dû sortir l'arc aussi. J'ai pas sorti l'arc. Elle est marrante celle-là. Elle est marrante. Ah, donc la meute a été pas complètement morte. Pas complètement morte. Il nous manque deux flèches. Hein. Du coup. Ah ouh. Oh. Et y a Johnny qui nous a appelé, mais il est mort entre temps, c'est con. Oh, attends, bouge pas. Oh, ah, j'ai cru que t'allais encore être bug glitché là. Merde. Johnny, il a appelé à l'aide et il s'est pris une flèche entre temps. Et bon, alors moi je me suis cassé, j'ai eu peur. Pas envie de me prendre des flèches dans les miches. Déjà qu'il y en a deux qui viennent s'en prendre. Par contre, pour les retrouver, ça va être de la galère sans les corbeaux. Faut vraiment qu'on trouve les corbeaux. Je fais un peu le tour vite fait, voir s'il n'y a pas les cadavres proches. Mais après, on va rentrer et... et dormir. Il y a aussi du bois qu'il nous faudrait peut-être. Le problème c'est que ouais, pour découper du loup ici ça va être relou. Non, on va rentrer s'il fait froid déjà. On va peut-être attendre qu'il fasse jour, ça sera mieux. Ah, l'épisode va être super long en fait. Là où je fais pas grand chose. Donc il nous manque deux flèches. Je vais jamais trouver le lit. Je vais jamais trouver le lit comme ça. J'ai fait le con. J'ai vraiment fait le con. Bien. Oui, il y a ça, manger. Où on est, s'il vous plaît. Ah, ah non, mais je vois de la lumière. Ok, donc le lit est à ma gauche. Il nous faudrait du bois, on n'a pas beaucoup de bois pour faire un feu à côté du loup. Ou alors on découpe le loup, vite fait, et on rentre. Je sais pas trop. D'abord on va regarder s'il n'y a pas les corbeaux qui traînent. Ce serait bien. Juste pour récupérer les flèches, c'est surtout les flèches en fait que je veux. Ok, il y a celui-là là-bas, mais celui-là on le connaît. Et pas d'autres. Là-bas. Très bien, ça fait deux. Non, ça fait un. Une flèche. Très bien. Donc on a perdu une flèche pour le moment.
On a perdu une flèche, pas si mal. Les corbeaux. Ce qui est bien dans le jeu, c'est qu'ils ont, ils ont bien fait les choses, c'est que les corbeaux, on les voit de, quand même de super loin. Genre, ils apparaissent de très 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 loin. Et leur bruit aussi, leur croix là, on l'entend très loin. Donc ça, c'est cool. Par contre, je vais regarder pour récupérer un peu plus de bois. Et il fait combien de degrés? Moins 21, c'est chaud quand même. Moins 21, ça va être... ça va être chaud. Ah ouais, t'es sérieux? Attends, tu vas me dire que 12 minutes pour deux bois de récupération? Ah, ok. C'est pas mal. Alors, ce que je vais faire, on va arrêter peut-être l'épisode là, parce que sinon ça va passer l'heure, ça va être un peu beaucoup. J'ai pas envie de faire un épisode extrêmement long. Donc on a fait un peu une petite aventure, on est allé récupérer de la ferraille, on a deux corps à dépecer, ça nous fait de la bouffe. On va essayer de ramener le plus possible. La chose qui est bien, c'est que maintenant, les loups gris ont peur de nous. Donc du coup, on peut rentrer tranquillement, en fait. On peut vraiment rentrer tranquillement. Nous, on est où exactement? Je sais même plus où on est. Attends, nous, on est passé par la route. La route, c'est là, comme ça. On est là. Enfin... Non, on est là. Là, on est là. Donc après, on peut retourner comme ça, ouais, ça va. Donc ouais, on n'est pas... pas trop loin, c'est bien. On va pouvoir manger tout ça, faire de la bouffe. Et pour le prochain épisode, ouais, on va essayer de trouver le troisième corps pour récupérer la flèche qui manque. Bon, si on la trouve pas, bon, c'est pas trop grave. C'est comme ça. Mais ouais. Putain, c'est con si on la trouve pas. Mais ouais. Puis on va récupérer toute la viande qu'on peut. Et je vais peut-être prendre... casser des palettes, là. Des papa palettes. Parce que ça prend genre 12 minutes pour avoir deux bois de récupération. Les bois de récupération durent extrêmement longtemps et ça donne pas mal de chaleur. Donc ça vaut le coup. En tout cas, ce sera tout pour cet épisode. C'était pas extrêmement excitant, hein, mais bon. Il y a eu un peu de combat, un tout petit peu d'exploration en plus. Voilà. Ça sera tout pour cet épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé. Portez-vous bien, on va boire. Et on va dormir un petit coup. Et après, ça va être le festin. À la prochaine. Ciao, ciao. 1 heure.